Vous voyez, moi j'ai mal. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays-là, il n'y a personne qui est prêt à défendre la vraie vérité. Excusez-moi, ils sont en culotte. Je suis tranquillement assis dans mon petit répéteur, je suis en train de préparer mon direct du dimanche à partir de 19h. J'ai très mal. Parce que on a l'impression que la plupart des personnes, les activistes politiques, là, ce ne sont pas des activistes, c'est des moutonniers politiques. L'œuvre de l'esprit, l'œuvre d'un artiste, Tikenja Fakoli, a passé son temps à chanter pour critiquer le pouvoir, pour critiquer les présidents, pour critiquer les régimes. Il est où aujourd'hui? On l'a tué? On l'a tué? Quand Tikenja Fakoli venait faire ses concerts, la majorité des personnes qui partaient à ses concerts, c'était des opposants. Un Zougloumane est toujours opposant. Un Zougloumane qui vient chanter pour un régime a vendu sa culotte. Rappelez-vous de Lago Polin. Quand Lago Polin chantait, il faisait campagne avec qui? Les opposants, non? Ah, rappelez-vous de l'autre, comme il s'appelle, celui qui fait rap en même temps, Billy Billy. Quand Billy Billy chantait, quand il dénonçait Babo, et on l'empêchait de retourner dans son village, des gens clamaient parce qu'ils étaient dans l'opposition. Ils disaient, ah oui, vraiment, Billy Billy, dis la vérité, Billy Billy. Ah, attendons, si on comprend bien, avant tout, là, on ne doit rien critiquer, quoi. On doit dire, tout est bon, tout est merveilleux. Mes amis, tout n'est pas merveilleux. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Un président n'est qu'à être diplômé comme il veut. Il n'est qu'à avoir tout l'amour de son peuple. Il y a des choses qu'il fait. On doit lui dire, tu n'as pas bien fait. Il y a des choses qu'il fait. Le peuple doit... On est un peuple insatisfait. C'est pour ça que nous sommes des hommes. C'est quoi ces histoires? Et je vois des gens qui s'asseyent comme des abrutis. Ah non, on doit sanctionner ce CD. On doit interdire sa vente sur le territoire ivoirien. Sa vente. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Lorsque Yodé et Siro font sortir les CD, la première personnalité qu'ils vont saluer, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Le premier CD, il appartient au régime actuel. Il a entendu, il a écouté et il les a reçus. C'est son Dieu démocrate. C'est son Dieu, un homme de grandeur, un homme de valeur. On le critique, il prend les critiques, il regarde ce qu'il faut faire et en fonction de cela, il s'améliore. Mais le moutonnier politique, le bâtard politique qui n'a aucune conviction, comme un mouton, il est assis. Quand le vent va à gauche, tout le monde va à gauche. Même si on doit aller tous se noyer, on préfère aller se noyer parce que tout simplement, on doit défendre bec et ongle et régime. Tu es malade dans ta tête. Ou bien toi, on te paye combien de fois? Combien? Quand le régime mange, qui te connaît? Quand les gens sont assis de prendre leur coupe de champagne en train de signer des accords et ils font les ristournes, qui te connaît toi? Arrêtez vos bêtises. Hein? Arrêtez vos bêtises. Et là, je m'adresse principalement aux activistes RHDP. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Ce pays-là, ça ne vous appartient pas. Ce pays appartient à tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont pour, il y a des Ivoiriens qui sont contre. Donc à partir de là, quand on écoute une chanson là, si ça ne te plaît pas, pardon, il ne faut pas payer CD là. C'est tout, il n'y a pas de débat. Mais ces imbécilités, pareil, on doit rentrer à gauche, à droite. Vous croyez que Yodé et Siro là, eux, ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Vous croyez qu'ils regardent, ils ne voient pas qu'il y a de bonnes actions que le président s'est imposé. Mais il faut sortir comment ça les CD. Ils ont tout jeté dans la critique. Tous les présidents, Bédier est au pouvoir, ils ont tapé Bédier. Babo est venu, ils ont tapé Babo. Ado est venu, ils vont taper Ado. Ça, c'est leur rôle. Moi, je préfère des gens qui me critiquent. Je préfère des gens qui me critiquent que tous ceux qui m'attrapent. Parce que parmi ceux qui t'attrapent, c'est des hypocrites. C'est des sorciers. Il y a plein de barons du PDCI qui sont RHDP là. Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment le président Ado? C'est parce qu'ils veulent manger. Et ils attendent l'opportunité juste. Si tout de suite, on dit non, il y a un deuxième tour aux prochaines élections. Le candidat Madougon, face au président Bédier, les 4 PDCI qui sont RHDP, vont venir s'asseoir devant Bédier, comme l'a fait Laurent Donald Fologo, pour dire je retourne saluer mon premier patron. Oh, oh, vous connaissez mal l'esprit PDCI. Vous connaissez mal le Baoulé. Calm down. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se dire la vérité. Voilà, moi, ma grosse, j'appartiens à aucun régime. Voilà. Et ma bouche, là, personne ne l'a payé. Ma bouche est ma bouche. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est bleu, c'est bleu. Arrête tout ça. Et si des choses, en moins de 24 heures, tout le monde commence à critiquer. Et tu vois aussi, les pros Soro, les pros Gabo, les pros Bédier, ils sont en train de faire la tarakou. Bon, les gars, si vous aimez vraiment Gabo, si vous aimez vraiment Bédier, si vous aimez vraiment Soro, pardon,
allez payer votre CD, prenez photo avec, mettez ça sur votre compte Facebook pour dire merci à Yodé Sio. Parce que dans ce qu'ils ont dit là, tout n'est pas faux, mais faux.